À ce jour, 6 entreprises sont déjà implantées et 8 autres sont en passe de signer les contrats avec la communauté de communes du Pays de Noyonnais pour pouvoir s'installer là dans les prochains mois. On a quand même 47 hectares à développer. On a une trentaine de bâtiments. Ça représente quand même 60 000 mètres carrés de bâtis qui sont utilisables. On n'a pas le stress de se dire quand on va avoir besoin de 500 mètres carrés de plus, qu'allons-nous devenir. Donc ça, c'est un point important pour nous. Pour ça, le fait d'être ici, ça nous ouvre de l'espace, de la liberté. Et on va pouvoir développer de nouvelles activités qui étaient un peu en sommeil là où on était précédemment à Pimpré. Et en plus, j'insiste, dans un espace sécurisé. C'est-à-dire, c'était un site de 47 hectares, complètement fermé, sécurisé, 24 heures sur 24. Sur le site Innovia, on a 3 pôles différents. Donc, le premier pôle étant le pôle hébergement, restauration et également l'internat d'excellence, donc 150 élèves. Premier pôle. Deuxième pôle, tertiaire, bureau, où là, on va développer plus un village économique. Et troisième pôle, donc le pôle industriel et artisanal. Là, on est plus sur un développement des entreprises sur l'éco-conception, les éco-matériaux. Appeler ce parc « Parc Innovia », dirigé vers les entreprises du 21e siècle, ça me semble évident. Innovia, déjà, c'est un nom qui claque. C'est un nom qui a de la pêche. Je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition. Tourner vers l'avenir, voilà, vers l'excellence, vers l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose dont nous avons besoin, de toute façon. Je dirais, ça fait partie de l'activité humaine, hein, que d'être innovant. Ce site situé au cœur de la Picardie et aussi même plus largement au cœur de la grande région Nord. À la soudure des deux régions, donc à la fois l'Île-de-France et le Nord. Il y aura des nouveaux moyens de communication avec le canal à grand gabarit, les 2x2 voies, plus les moyens comme la fibre optique. Pour pouvoir offrir en fait à tous les porteurs de projets en fait une connexion, l'autoroute d'Internet comme on dit aujourd'hui. Cette potentialité d'aller chercher les grands réseaux européens à très très haut débit parce que ça passe juste là dans le canal. Et donc ici, les clics et le travail que font les ordinateurs et le temps d'attente a été réduit de 25%. C'est plus de productivité, pour nous c'est vraiment exceptionnel. On a gagné en temps et en énervement, forcément. On a les petits oiseaux. Oui, c'est vrai qu'on est bien, c'est agréable. On est bien, hein. Mmh. On peut travailler dans un cadre qui est quand même assez, assez rare. On est entouré de verdure, donc on est au calme. Un endroit à la fois champêtre et industriel. L'absence d'embouteillage est pour nous, parisiens, je dirais, un côté agréable. Au niveau du bien-être, on a envie d'avoir des gens qui soient heureux de travailler ici. C'est vraiment un quartier qui était destiné à la recherche, à l'innovation, à la matière grise. Parce que c'est dans ce contexte-là, dans ce jeu, de ce cadre de vie, où on peut produire le meilleur de soi-même. Il y a un formidable potentiel de développement sur le Noyonnais, c'est pour ça qu'on est venu sur Noyon. On était assez isolés là où on était, et maintenant on est entouré d'autres entreprises qui ont les mêmes objectifs que nous. L'entreprise qui s'implante, elle n'est pas toute seule, elle va pouvoir échanger avec d'autres. C'est un thème qui pour nous est important, des entreprises qui travaillent en réseau. Moi je le vois un petit peu, enfin le parc Innovia, un petit peu comme un campus, comme on peut trouver dans les grandes boîtes comme Microsoft en informatique ou Google, et je l'imagine un petit peu comme ça. Et je pense que pour le salarié et pour l'image que nous on veut véhiculer, c'est vraiment important. C'est important quand on est porteur d'un projet industriel d'avoir une équipe qui vous soutient. Et grâce à la communauté de communes du Pays Noyonnais, c'est possible. On a ici des gens qui nous écoutent et avec lesquels on pense pouvoir progresser. On est en zone franche militaire et donc ça offre un certain nombre d'avantages qui ne sont pas non plus négligeables. On ne paye pas de charges sociales sur les salariés. Au niveau des coûts d'acquisition, hein, puisque effectivement on a des coûts qui ne sont pas les mêmes coûts que sur Compiègne, donc ça c'était aussi un élément moteur. Il n'y a pas non plus d'impôt société pendant 5 ans. Il y a forcément une création d'emplois, donc c'est un objectif aussi qui est à souligner. Innovia pour nous a été un tremplin pour continuer notre développement, notre marche en avant. On est passé de 10 personnes il y a 3 ans et demi lors du rachat de l'entreprise à 25 personnes dès la semaine prochaine. Dépêchez-vous, il ne reste plus que 1 an et 7 mois.
un mot pour qualifier Innovia? C'est tranquille, voilà. Bah, je dirais cool. Qui me donne de l'énergie. Une chance, oui. Ce site permet d'imaginer des nouvelles choses sur l'espace qui reste à conquérir. Voilà. On est déjà en train de réfléchir à l'extension du bâtiment alors qu'on vient d'emménager il y a 5 mois. Je pense qu'on n'a encore rien vu de ce que sera Noyon. On croit tous que la ville sera complètement différente dans une dizaine d'années. Pourquoi s'implanter sur Innovia? Innovia, c'est l'avenir.